Eh bien, bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2024. Donc, j'ai décidé aujourd'hui d'aller faire une petite sortie dans la nature. Ça fait un mois exactement que j'ai été opéré aujourd'hui. Franchement, je suis super content. J'ai fait énormément de progrès en kiné. Je me déplace maintenant qu'avec une seule béquille pour m'habituer à marcher. Donc, ça va nettement mieux. Donc, j'ai décidé d'aller faire un petit tour. Voilà, j'ai privilégié aujourd'hui des coins bien plats, sans dénivelé, bien sûr. Juste pour faire un petit tour en nature, hein. Voilà, ça va me faire du bien. Ça fait un mois que je suis pas sorti, j'allais uniquement à ma boîte aux lettres, hein, chercher le courrier, voilà, me déplacer de quelques mètres. Il y en a un petit peu à la casquette. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'aller faire un petit tour. C'est mon copain Farid, hein, voilà, qui va m'emmener gentiment aujourd'hui parce que je peux toujours pas conduire. Donc et puis comme d'habitude, hein, je vous mettrai ce qu'on a sur mon passage. Je vous mettrai ce qu'il y a dans la vidéo. S'il y a quelque chose, bien sûr, hein, je sais pas du tout. Vu que les coins ne sont pas très très propices, on essaiera quand même de passer sur un petit spot à morilles et voir s'il y a quelque chose. Mais à mon avis, c'est que le début. Hein. Voilà, j'ai eu des échos comme quoi les premières morilles commençaient à se montrer. Mais vraiment, c'est des prémices. Donc, on ira voir tout ça. Voilà, vous aurez également dans cette vidéo, je pense, des nouvelles de ma culture de morilles. Je vais essayer de voir ce qu'il en est. Mais voilà, je ne suis pas confiant parce que ça fait 3 jours qu'il pleut presque pratiquement non-stop. Aujourd'hui, voilà, une petite accalmie. J'en profite pour sortir, ils annoncent des températures voilà, de saison qui vont revenir. J'espère que la chaleur va revenir, mais je pense que ça a vraiment mouillé les sols et ça, c'est pas très très bon pour les cultures. Donc on verra bien, de toute façon, j'ouvrirai et puis en conséquence, je vous mettrai s'il y a quelque chose ou pas. Donc je vous laisse visionner cette petite vidéo et puis je vous reprends eh ben, en fin de vidéo. On fera un bilan de cette journée et de tout ce qui s'ensuit. Voilà les amis, je vous laisse et puis je vous reprends juste après le générique. A tout de suite. Allez, eh ben allez, on vient d'arriver sur le spot. Voilà, les premières petites verpes de bohème. Verpa bohémica, hein, qui sont bien là, présentes. Il y en a un petit peu partout ici, hein, comme d'habitude. C'est un spot qui donne bien, normalement. Vous voyez encore ici, encore devant. Là. Ah oui, regardez, il y en a un foison. Hein. Il y en a un foison, hein, des petites verpes. Verbe de bohème, hein. Verpa bohémica. Voilà, moi je ne les prends pas, hein. Farid les prend. Je suis avec Farid aujourd'hui, donc je lui laisse. Il y en a encore devant, là, vous voyez. Ah oui, ça sort. C'est vraiment un coin où il y en a tous les ans. Verbe de bohème. Voilà, les amis. Et ben allez, on continue. Continue la prospection. Allez, on se retrouve là avec des petites oreilles de Judas, Auricularia, Auricula Judae, hein. Des petites oreilles de Judas là, un peu partout aussi. Il y a une belle troupe là, hein. Avec l'humidité qu'il y a eu, hein. C'est normal qu'il y ait des petites oreilles de Judas. Des petites verpes, on trouve quelques verpes, mais aucune morille encore pour l'instant, je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt encore. Hein. Donc voilà les amis. Des petites oreilles de Judas. Allez, ben on continue. On continue notre recherche. Allez, ben les amis, quelques petites pésises. Pésises écarlates. Hein. Coccinea. Sarcosypha coccinea. La pésise écarlate, hein, donc champignon comestible également. Hein. Mais là, je pense que c'est la fin, hein, des pésises. Sont bien abîmées. Ouais. Bon, je vais jeter un œil là, sous ce frêne. Cette branche de frêne qui est tombée. Peut-être qu'il y en aura. Enfin, voilà, les amis. Des petites pésises. Pésises écarlates ici. Allez. Je continue la balade. Ah, je suis content, les amis. Première petite morille de l'année. Voilà. Morille esculenta. Ça commence dans ce coin. Superbe.
Je voulais en voir une, voilà, c'est la première, je vais la cacher bien entendu, hein. Elle est toute petite. Hein. C'est le début. Ah, je suis content, super content. Pour ma petite sortie, première petite morille de l'année. Morille sauvage. Allez, bah allez, je vais chercher si j'en vois pas une autre. Allez les amis, je vous reprends tout de suite. Allez, bah, je vous reprends là, ce qui me semblerait être un petit morillon, semi-libéra. Ah ouais, c'est un petit morillon. Ouais, on le voit bien, vous voyez, c'est pas une verpe, hein. C'est bien un petit morillon. Ah, cool. Cool, donc petit morillon, petite morille. Donc ça commence, hein. C'est sympa, voilà, petit morillon. Bon, écoutez, hein, on va le prendre. Je vais m'approcher de la petite morille hein, pour vous faire voir la différence. Ah, je vois une petite morille encore ici. Toute petite. Ah ouais, ça commence vraiment que. Ah ouais, j'en vois une autre là. Donc vous voyez, je ne vais pas trop m'attarder et piétiner le coin parce que vous voyez, il y en a une petite encore ici. Petite morille encore une fois. Donc vous voyez, si on la met. Si je mets le morillon à côté, vous voyez la différence. On voit nettement la différence. Voilà, vous voyez, morille. Morille à droite. Et le morillon à gauche. Donc voilà, des petites morilles hein, qui arrivent. C'est sympa. Voilà, c'est le début. Hein. C'est tout, tout le début. Ça commence tout juste. Hein. Allez, je vais recouvrir. Je vais les cacher, puis je repasserai. Je repasserai pour les voir. Allez, je continue. Allez les amis, je pense que la chance est avec moi aujourd'hui. Une petite série là de 6 petites morilles, vous voyez encore une fois, Esculenta. Celle-ci, elle est pas trop mal. Hein. Je vais la prendre. Parce qu'elles sont vraiment dans le pré. Hop. Petite morille, hein. Elles sont pas bien grosses. Mais je vais les prendre parce qu'elles sont dans un pré. Donc après. Donc là j'en ai encore. Alors ici, encore une, vous voyez, encore une ici, qu'on va prendre, voilà, ça en fait deux, j'en ai une que je vais laisser, celle-ci, elle est beaucoup trop petite, trois, encore ici, vous voyez, j'en ai une autre ici, des petites Esculenta. Oui, on la voit ici, vous voyez. Une autre petite morille. On en a encore une ici. Ah, c'est superbe, hein, franchement. Et puis elles sont belles. C'est les premières. Donc voilà, je vais prendre ces deux pour me faire plaisir aujourd'hui. Et on va laisser les autres. Hein, on verra bien. Adviendra ce qui adviendra, hein, les amis. Voilà, elles sont petites. Hein, c'est encore des petites morilles. Donc allez, on va laisser le reste. Et puis, en espérant bah, que personne ne les voie. Ah ouais, elles sont jolies. Hein. Elles sont magnifiques. Hein. Voilà. Voilà les amis, pour les premières morilles de l'année. Bon, mais écoutez, on continue. On continue notre route. Donc voilà, comme prévu, hein. Rien de nouveau hein, dans la serre numéro 1. Toujours la petite momo qui est ici. Il y en a une ici, une petite morille. C'est la seule, l'unique. Je vois rien d'autre. Donc je vais laisser sécher un peu le sol là, voilà, avec le soleil parce que vraiment ça. Ah oui, ça a vraiment plu à l'intérieur. Ça a vraiment détrempé. Hein. Donc voilà, rien de nouveau dans celle-ci. Hein. Voilà, juste cette petite momo. Allez, je te la refais voir. Le pied commence à se dégrader, donc je pense que fin de semaine, je vais la ramasser celle-ci. Elle n'est pas bien grosse, mais c'est pas grave. Ça en fera une de plus. Voilà pour les nouvelles. Allez, mais comme tu peux le voir, hein, voilà, ça a bien reverdi partout. Les cerisiers sont bien en fleurs, les pruniers aussi de mon voisin. Mon pêcher aussi.
Le récupérateur d'eau, il est blindé de chez blindé. Ah oui, ça a plu quelque chose. Allez, je te laisse. Je te dis à plus tard et puis bonne journée à vous. Allez, ben on va se retrouver devant la serre numéro 2 que j'ai débâchée. Vous voyez, hein, pour vous dire qu'il a vraiment plu, hein, les fraisiers, commencent à avoir des fleurs. Donc ça, c'est superbe aussi. Hein, voilà. Ils ont énormément grandi, hein, voilà, avec toute cette eau. Hein, ça y a fait du bien. Voilà, les premières fleurs de fraises qui arrivent. Hein. Ah, c'est superbe. Franchement, je suis content. Ils ont bien progressé. Je les ai mis l'an dernier. J'en ai pas eu parce que je les avais changés. Et là, ils ont vraiment bien évolué. Voilà, donc on va se retrouver devant la serre numéro 2, donc celle-ci. Donc là, une bonne petite nouvelle, voilà, deux petites momos qui ont apparu, une ici, petite morille, une autre ici. Donc voilà, c'est les deux seuls que je vois pour l'instant, mais voilà, c'est pareil, hein, ça a vraiment plu, c'est vraiment humide de chez humide. Je vais laisser ouvert un petit peu là, mais c'est superbe, hein. Vous voyez, ça commence. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Pour l'instant, c'est deux. Ces deux là, une petite ici, une autre ici, deux petites morilles. Voilà, les deux premières dans cette serre, donc je suis content. Voilà, ça commence. On va espérer qu'il y en ait d'autres. Pour l'instant, rien d'autre en vue. Voilà, les sacs sont bien colonisés, hein. Pas de problème, c'est bien pris. Le mycélium s'est renfoui, hein, voilà, dans le sol. Donc maintenant, on va attendre patiemment. Ils annoncent un peu plus de chaleur, donc ça peut-être on en verra d'autres d'ici la fin de semaine, on verra bien. Donc voilà, je suis content, les deux premières qui sont arrivées dans cette serre, voilà, une et deux, nickel. Bon, mais je vais laisser ouvert un petit peu, que ça profite un petit peu de soleil, que ça sèche un petit peu, et puis je reprends tout de suite. Bon, ben voilà, petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, voilà, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, je suis super content. Voilà, je refais cette conclusion, hein, parce que j'en ai fait une en forêt, mais bon, ça n'a pas marché. Donc voilà, je la refais, on est aujourd'hui le 2 avril, hein, voilà, j'ai débâché mes serres, vous l'avez vu, pas grand chose. De nouveau, voilà, comme prévu, ça a vraiment plu, le pluviomètre est blindé, le réservoir d'eau plein aussi. Donc voilà, ça a énormément plu, donc pas grand chose, vous l'avez vu, juste ces deux petites morilles dans la serre numéro 2. On va espérer, voilà, que les températures reviennent à la normale, que ça se réchauffe un petit peu, que les sols se réchauffent pour avoir peut-être d'autres petites morilles. Voilà, sinon, je suis super content. Voilà, les premières petites morilles de vue hier, sur les spots, donc des petites esculentas que j'en ai caché pas mal. Donc je pense y retourner, je pense mercredi ou jeudi, on verra bien, j'irai peut-être faire un saut. Vu que ça s'est super bien passé, voilà, j'ai pu marcher à peu près correctement, sans forcer, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment des spots plats. Voilà, la rééducation, c'est pas encore ça, ça fait un mois maintenant que j'ai été opéré, mais ça fait super plaisir, voilà, de retrouver la nature, retrouver la forêt, se promener et puis vous partager quelques images. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire pour interagir avec moi et puis un abonnement si c'est toujours pas fait, rejoignez ma chaîne, on atteint bientôt les 3000 abonnés, je suis super content. Voilà, ça marche bien, les vidéos marchent bien également, donc apparemment le contenu vous plaît. Donc continuez les amis à mettre des pouces et à m'encourager, ça fait super plaisir, voilà, de votre soutien, franchement, votre fidélité, ça me fait super plaisir à chaque vidéo, vos commentaires, ça me ravit, je prends le temps d'y répondre, ça me fait super plaisir de vous lire et de vous répondre. Allez, je vous laisse, je vous embête pas plus, je vous dis à bientôt, et puis on se retrouve eh ben, normalement fin de semaine, j'espère revoir quelques petites morilles, on repassera sur les spots. Allez, je vous embrasse toutes et toutes, et puis je vous dis à bientôt les amis.